principal, monsieur le député de Saint-Jean. Face à la pression qui montait contre son indifférence, le ministre de la Santé a relancé les négociations avec les ressources intermédiaires il y a quelques semaines. La demande des 900 RI est simple. 15 millions de dollars par année pour offrir un salaire décent aux travailleuses et travailleurs pour garantir une offre de services adéquate aux 13 000 personnes vulnérables ou âgées qui résident dans les RI. On apprend que son offre ne couvrait même pas la moitié de cette demande. Ça fait 2 ans et demi que ça traîne. Ce que la demande des ressources intermédiaires équivaut à 3 $16 sous par jour, Monsieur le Président. 3 $16 sous. Pas 1,6 milliard de dollars, pas 41 millions de dollars pour arriver à l'heure, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre peut faire la seule chose possible, c'est-à-dire d'investir 3 $16 sous par jour pour offrir des services adéquats pour des personnes vulnérables, 13 000 personnes vulnérables au Québec à chaque jour qui reçoivent des soins, des ressources Monsieur le ministre de la Santé. Et je vais me joindre à mon collègue de Saint-Jean pour souligner l'importance et la qualité du travail qui est fait aussi dans les ressources intermédiaires par du personnel dévoué et compétent, avec lesquels nous négocions en continu, oui, depuis 2 ans. Et, M. le Président, je suis heureux de vous apprendre aujourd'hui que les négociations avancent. Et contrairement à ce que le député de Saint-Jean a dit, on n'est pas revenu aux négociations, on n'a jamais arrêté les négociations. Mais des négociations, c'est ça, des négociations. Nous avons l'intention, comme nous l'avons fait avec tout le monde, d'offrir des conditions qui soient adéquates et à niveau pour ces entreprises-là pour qu'ils puissent rémunérer correctement leurs employés. Et j'ai bien confiance que nous allons arriver à une entente, Monsieur le Président, mais la négociation ne se fera pas, évidemment, au Salon Bleu.